Salut mec, bon alors là aujourd'hui je vais travailler sur le film The Neon Demon. Bon, j'ai galéré pour faire l'éclairage, bah, tu vas voir dans la vidéo si t'as le courage, regarde la vidéo, elle doit faire au moins 10 minutes parce que j'ai essayé de bien placer l'éclairage pour avoir la même image. Donc en gros, c'est des trucs que tu peux faire chez toi, t'as pas besoin d'avoir une grosse équipe de pros. Voilà, là c'est une mandarine 800 watts que j'ai mise sur le côté avec une gélatine rouge et une petite LED, tu sais, 160 que tu trouves à 30 euros sur Amazon. Donc c'est 160 LED et tu mets un petit filtre rouge dessus. Tu vas voir, j'ai galéré à mort, mais voilà, c'est pour te faire voir que en fait au cinéma tu fais pas attention, mais l'éclairage c'est la galère. Donc il faut vraiment bien maîtriser l'éclairage pour réussir à avoir une image nickel, pour avoir un style bien à toi. Donc il faut vraiment faire plein d'exercices et c'est pour ça que voilà, sur ma chaîne, je fais plein d'exercices, plein de trucs. Si tu as vu, j'ai fait l'éclairage du clip SCH, là, du dernier clip. Donc moi ça m'amuse, tu vois, dès que je vois une image que j'aime bien, essayer de retravailler l'éclairage pour avoir la même image avec voilà, des éclairages à la con, tu vois. Là c'est une mandarine 800 watts que tu achètes sur eBay à 50 balles. Et la LED, c'est pareil, c'est 160 LED que tu trouves à 30 euros sur Amazon. Donc voilà, si tu veux progresser en vidéo, en photo, voilà, tu veux faire un court-métrage, un clip, regarde toutes les vidéos que j'ai fait, les vidéos que je vais faire prochainement. Voilà, je fais tous des petits tests comme ça. Je fais des tests aussi avec les drones, avec la caméra du téléphone, avec le Huawei P20 Pro, le Mate 10 Pro, la GoPro, pour te faire voir que tu vois, tu peux réussir à avoir un résultat pro avec pas grand-chose comme matériel. Bon, là, c'est le Sony A7S2, c'est clair, il est assez cher, mais tu peux faire ça avec un appareil beaucoup moins cher. De toute façon, c'est en gros le maquillage, l'éclairage, le cadrage, et une fois que tu connais tout ça, c'est parfait, tu peux faire ton film. Déjà, rien que l'éclairage, c'est la base. Si tu veux vraiment une vidéo nickel, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, avec des lumières bleues, jaunes, vertes, tu peux vraiment avoir un style. Tu rajoutes de la fumée, tu peux vraiment faire une putain d'image pour vraiment pas grand-chose. Donc, c'est pour te faire voir que avec deux petits éclairages, allez, 80 euros d'éclairage, tu peux réussir à avoir la même qualité d'image que The Neon Demon ou n'importe quel film. Donc, regarde cette vidéo. Bon, regarde peut-être pas tout parce que franchement, je galère pas mal. Mais tu vas voir que c'est assez complexe la lumière pour réussir à avoir la même image qu'un film. J'oublie aussi, alors ça c'est une petite Xenlight, donc une petite torche LED à la con qui coûte 5 euros, j'ai acheté à Casto, j'ai mis un filtre jaune dessus et c'est pour mettre, c'est les flares. À un moment donné, tu vois, dans l'image il y a des flares qui viennent taper dans l'image, et en mettant ça vers l'objectif, on arrive à faire des flares. Donc voilà, 5 euros.